Raconte sur YouTube. Acte 3, direct. Le rêve était de taille. Qui, jusqu'alors, n'avait pas, n'osait pas, ne savait pas que cela pourrait être possible. Découvrir la vie sur la route, découvrir des coins reculés, des villages, des lacs, des passions, des destins. Un combat à l'égalité des droits de l'individu qui peut être effacé en un clin d'œil. Ce qui me dérange, c'est la montée là-haut. Ouais, mais j'ai le chien et tout. Non, je peux pas la sortir. Vas-y, raconte sur YouTube comment tu demandes. Vas-y, redemande. Regarde, je te filme, c'est le moment. Parce que t'as pas d'eau? Putain, alors moi ce qui m'épate, toi t'en as chié comme un ramor pour venir et tout, t'as serré les fesses, t'as tout fait et tu trouves toujours des bagnoles. C'est l'hôtel. Bonne nuit chérie. Voilà, ce soir notre chambre. heureusement que tu enlèves toutes les conneries qu'on raconte hein, dans une autre vidéo. Ouais. On devrait peut-être les laisser d'ailleurs. Le connerie. Peut-être. On va y réfléchir. Donc t'es parti filmer l'hôtel. Bah ouais, attends. T'as vu combien ça coûte? Merde. Tu crois quoi toi? Oh, je pense pas qu'on voit. Il y a où la lumière d'un camion? On s'en sert tellement jamais de nuit du camion que je sais même pas, ok. Mais je pense pas qu'on voit. Non, non, mais va pas te foirer. Bon, acte 3, virer par là, par les militaires. Il est 22h. Ouais, bon, c'est les heures. Oui, 22h20. Voilà. Et donc, conduit par les militaires. Peut-être. Je crois que c'est eux qui sont devant. Super. Le Maroc. Facile. Pour être bon citoyen, très gentil citoyen et passer son temps en camping. D'ailleurs, on n'a jamais passé autant de temps en camping que depuis qu'on est au Maroc. Donc, et tout le reste de l'Afrique est comme ça. Bon, et en fait, au final, ils nous ont absolument pas accompagnés. Ils nous ont dit, c'est tout droit. Et voilà. Et on arrive sur un camping complètement déserté. Il n'y a que des gens qui bossent ici et un berger allemand. Voilà. On découvrira demain le truc. Mais ouais, un coffre-fort.
Donc, 11h moins 10, Nico est en train de remonter le toit. Voilà, bon, ça va, on a la chance, c'est que notre installation, ça prend entre 9 à 13 minutes. Donc, bon, une chance, hein, parce que si ça mettrait plus de temps, ça serait bien galère. Et puis donc maintenant, le camping est en train de rappeler les militaires pour leur dire « Ça y est, c'est bon, ils sont arrivés !» Non, moi non, ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Et on n'est pas chez McDonald's, on est au Maroc. Ah, il y a des McDo au Maroc. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a aussi. Et donc, il y avait trois Donald's devant. Et au même moment que je passais, dis donc, eh, coïncidence, ça va, quasiment presque 23h, elle était devant. J'ai un coup de bol. Hein. C'était un sacré coup de bol quand même, à cette heure-là. Hein? Genre, il m'attendait pas. Hein? Il y a trop de campeurs. Hein. Bah... ah, la vache. Regardez, campeur, chat. Bonjour le chat. Ah, là, on le voit pas. Eh non, tu montes pas dans le camion. C'est une interdit. Boubou, elle a pas envie de faire connaissance avec le chat. Je serais capable de passer par le passage cabine, le chat. Bon. Et puis c'est crocro, bon. Ouais, en tout cas, ils ont peur à leur panneau électrique, hein, parce que disons qu'ils ont fait des tranchées. Voilà. Bon, là, clairement, je soupçonne quand même la délation. Parce qu'au vu où qu'on était, il fallait nous trouver. Bon, ils ont prélé quand même le chemin et tout ça pour venir nous cercer. Ah, il fallait quand même nous trouver. Puis, dans, en pleine nuit, quoi ça. Ouais. Nous trouvait là et on était loin de la route. Hein. C'est clair. Le non, camion, ouais. Il se voit, même si c'est une grosse masse, de ouais, nuit, de il se nuit, voit pas. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Quoi. Donc là, clairement. Et on était à l'intérieur du camion, autant la dernière fois, on était dehors en train de. Quoi, avec les lumières ouais, de le camion avait, qui éclairait, mais là, pas, même pas. Il n'y avait pas de lumière extérieure, rien. Quoi. Donc là, clairement, le téléphone arabe, il marche. Il elle a bien marché. Super. Mais après, comment il a marché? C'est quelqu'un de jour et ils ont attendu la nuit pour venir, non? Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'ils se pointent toujours à la même heure, quoi. C'est 22h. Je pense que les campings doivent fermer à 23h, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est pour ne pas nous donner le temps de retrouver encore un autre emplacement en fait. Ah. Ouais. Ouais. Le camping bloc. Ouais, c'est space. À se demander même si c'est vraiment un camping. Il s'en est un, mais. Moi, ça fait moitié camping, hôtel, piscine. Ah bah, comme partout à chaque fois. Mais. Mais il n'y a rien. Il est space. On verra plus demain, matin. Ouais. J'ai horreur de ça d'arriver de nuit parce qu'en fait tu sais pas ton environnement. Ah bah de toute façon là c'est pas compliqué, t'as personne autour de toi. T'es le seul camion. Bon bref, 55 dirhams la nuit sans électricité, 90 avec. Bah on pensait rester 2-3 jours sur le spot, mais c'est raté. C'est raté. Bref, ça fait. Je comptais venir là que dans 2-3 jours. Bah, bon, je suis arrivé plus vite. Mais c'est pas pour autant qu'à 55 dirhams, on va rester plus loin. Pas encore si le cadre est... en vaut le coup, mais. Il y a rien là. Tu regardais quoi? Le parc? Il y a personne? Y a que dalle, on dirait moche, un parc expo. Et encore même les parcs expo. C'est moche comme un coup, quoi. Ah oui, t'as la plage juste en face. La plage juste en face. Moi, j'ai vu le panneau plage. Ah, d'accord. Alors, si elle est 10 km, t'es dans la merde. Aucune idée. Bon, allez. En plus, je pense, je sais pas si on nous voit vraiment bien. Bah.
les campings, ça les arrange bien aussi, hein, oh bah ça, cette c'est... loi, parce que financièrement... Bah, ils ont un peu de mal à cette saison. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la saison pleine du Maroc. C'est janvier, février, mars, pour info. Donc, au final, ce fut un repas express avec notre fils qui a continué de manger, lui. Rien ne peut l'arrêter. Ne me gênez pas pendant que je mange. Mais nous, ce fut très light. Bon, j'ai faim maintenant. Hein? J'ai faim maintenant, on mange pas. Bonne question pour faire à bouffer en plus. Bon, on s'est trouvé un petit barbecue au Marjadin. Voilà. Bon, il coûtait 141 dirhams, je crois. Ça va, il fait le taf. Hein. Petit barbecue portatif, pliable. C'est plutôt cool. Bon, ça nous manquait un petit peu dans le voyage. Du coup, on s'est posé, on a été viré, bah, comme t'as vu, hier soir. Donc, on s'est posé dans un camping où on était obligé de se mettre. Hein, il était bien 22h30, 23h quand on est arrivé là. Et du coup, on est resté là la journée. J'avais 2-3 bricoles, celle qui a bien faire. Voilà. Et puis ce soir, je me suis dit, tiens, on va tester le petit barbecue. Donc, on y joue sur le camping. Demain, on reprend la route, on va remonter un petit peu plus haut sur un autre camping, parce que visiblement en bord de mer au Maroc, il n'y a pas moyen de se stationner, tu te fais virer, donc là on est du côté de la plage blanche, camping interdit, hormis dans les campings, voilà, donc ça va, je ne sais pas pour tout de suite, voilà, je pense qu'on n'aura jamais fait autant de camping qu'au Maroc. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça, hein.
arrive en fin d'après-midi et il fait bien moins beau. Après, il fait pas froid, mais le soleil se cache et on nous annonce les deux jours suivants de la pluie. Donc, on verra comment ça va se passer. Après, bon, on n'a pas une vue trop vilaine. On est bien quand même, faut pas se plaindre. Du coup, je vais en profiter pour faire des vidéos à l'intérieur et vous raconter un petit peu l'atmosphère locale du Maroc. Et donc, comment survivre à la vie locale ici de façon assez décontractée. Clairement, quand on part dans les médinas, faut avoir un sens de l'orientation un peu aiguisé quand même. Ça fait un peu comme le Mont-Saint-Michel. Ça tourne en rond, sauf que tu as des ruelles encore plus partout. Peu importe les villes dans l'ensemble, c'est énormément de ruelles qui partent dans tous les sens et au final tu arrives exactement au même endroit, mais faut réussir à se repérer, chose que moi j'ai pas vraiment un sens de l'orientation assez développé et je le sais, et donc en général chez moi je vais toujours tout droit. Sauf que ici au Maroc tu peux pas aller toujours tout droit, et quand je suis perdue chez moi habituellement donc, et que je veux faire demi-tour, donc soit je fais demi-tour sur la même rue, hein, ou soit je tourne à droite, voilà, hein, en circulation c'est plus simple. Sauf que là non, ça marche pas vraiment comme ça. Mais bon, j'ai mon GPS Nico, hein, qui me fait me ramener au camion, et puis jusqu'à présent, bon, même toute seule, j'arrive toujours quand même à retrouver le camion. C'est pour ça qu'il l'a fait très grand sur l'étage, comme ça ça me permet de le voir de très loin. Après, c'est tellement labyrinthe en fait, n'ayez pas peur, parce que même si vous avez un sens de l'orientation plus ou moins développé comme moi, la facilité de vous perdre, là quand même, c'est tellement labyrinthe que ça reste difficile de se perdre, même si ça peut arriver. Au pire, prenez des points de repère comme les volailles. C'est des rayons où le poisson, ça sent quand même assez fort. Là, vous vous reconnaissez. Faut prendre des points stratégiques pour se repérer. Et je vous assure que à l'odeur, là, tout d'un coup, tu arrives à te repérer. Même si tu veux donner rendez-vous à quelqu'un, c'est le point stratégique. Tu arrives à le retrouver facilement, ces endroits-là. Tellement que l'odeur est... Enfin, ou alors, faut pas être fragile sur les odeurs. Après, si les odeurs vous font rien, tout va bien. Et là, vous avez de risque de vous perdre. Mais aux odeurs, non, non, je vous assure, on arrive à se retrouver. Et donc, une fois, j'étais partie me promener dans les dunes. Bon, j'étais pas toute seule, j'étais avec Mie. Et à notre tour, on n'était pas d'accord sur notre chemin de retour. Et on a mis un petit moment plus longtemps prévu pour réussir à retrouver le camion. Parce que donc il y en a une qui disait à droite, l'autre qui disait à gauche. Enfin, et d'ailleurs, je suis pas dans le bon sens. Non, à droite, à gauche. Vous voyez, donc déjà, c'était compliqué. Rien que là, dans le camion, c'est compliqué. Alors imaginez, en plus, dans le désert, ça a été encore plus compliqué. Et oui, avec les dunes, par contre, même si nos camions sont hauts, ça marche pas toujours à tous les coups. Et je pense que la prochaine fois, Nico, faudrait qu'il fasse un étage supplémentaire. Ça me permettrait de le retrouver encore beaucoup plus facilement, le camion. On va parler aussi des souks. Parce que du coup, quand t'es dans les médinas, malgré tout, tu te retrouves plus ou moins à devoir négocier. Et là, c'est pas toujours simple. Première fois, l'histoire des bracelets, je vous ai déjà parlé. Je m'étais dit, c'est moi qui a pas bien compris ce qu'il m'a dit sur le prix. Parce que sur le coup, j'avais compris 35 dirhams. Et puis, au moment de payer, en fait, ils m'ont demandé 350. Et puis, vraiment pareil. Hier, super. Nouvelle aventure. C'était plus sur des bracelets, mais donc sur un plat. Plat en terre. Et donc, ce fameux plat, le monsieur demande le prix. Où trouver des plats? Et on finit par donc lui demander le prix. Ils mettent toujours un peu de temps à répondre. On a l'impression qu'on demande la météo pour le lendemain. Genre, demain, il va faire quel temps? Et là, du coup, il est obligé de réfléchir. Et ben non, là, on demande juste un prix. Et là, t'as un grand moment de silence. Tu te dis, il va nous sortir son prix. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Est-ce que ça vient? Et là, il parle d'un tas de trucs. Il te présente tous ses plats, machin, ta. Bref, t'as l'impression qu'il est en train de noyer le poisson pendant ce temps-là. Et toi, t'attends toujours ton prix. Et là, soudain, il te sort le prix. Et là, il te dit 90 dirhams. Bon, tu commences à dire, ouais, allez, 70. Non, 80. Il te refait voir d'autres plats, et pour être sûr si c'était bien celui-là que tu veux, on sait jamais. Et soudain, au moment de payer, là, le plat était arrivé à 120 dirhams. Déjà qu'il voulait pas des 70, en train de dire que non. Et là qu'on arrivait à 120, il recommençait à nous dire que non, il voulait pas 80, mais c'était 120. Et qu'on faisait une super affaire, or qu'avant, il nous avait dit 80.
Et donc, on finit par, du coup, payer les 90 dirhams. Là, t'as l'impression que tu l'as volé, le pauvre monsieur. Tu repars, il est derrière toi en train de parler marocain, où tu comprends pas tout, mais limite, t'es en voleur. Tu l'as baisé sur le prix, c'était 120, t'en as donné 80. T'as fait une grande affaire. Le moment est très spectaculaire dans la rue. Tout le monde te regarde entre arabes, ils se parlent en arabe entre eux. Et ça devient le truc, toi t'es au milieu, tu sais plus trop quoi penser. Et tu fais 5 pas, et là, soudain, t'en as un autre qui arrive. Et qui te dit, tu l'as payé combien ton plat? Mais tu t'es fait voler, c'est entre 40 à 70 dirhams. C'est bon. Voilà, c'est des moments comme ça, assez spectaculaires. Parce que en attendant, t'avais réussi à quitter l'autre en te demandant s'il s'était pas trompé dans sa conversion entre l'arabe et le français. Il avait réussi en fait à te mettre dans ta tête que bah, tu l'avais vraiment eu à pas cher et que t'avais fait une affaire et que lui, limite, il était perdant de l'avoir vendu 80 pour que l'autre, plus loin, il dise que ça en vaut la moitié parce qu'en plus, t'as même pas le couvercle dessus. Voilà, bienvenue au Maroc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, tous ces marchands, vendeurs, ils sont hyper persuasifs. Assez incroyable. Ils vont te donner un prix, certains, alors pas tous, hein, y en a qui vont vraiment te donner le vrai prix juste, et puis il y en a d'autres, je sais pas pourquoi, ils se disent que t'as une tête d'américain et que t'es là pour cracher. Et là, quand t'es en négociation avec eux, vraiment, quand t'insistes sur le prix et qu'il arrive pas à avoir le dessus avec toi, en fait, il va arriver un moment, il va finir par te dire oui, pour que tu sois contente, mais dans sa tête, il pense non. Mais il pense non, hein. Mais il pense non très très fort. Tu finis par tirer quand même la main sur le truc, hein. Mais il repart, hein. Et là, tu apprends toutes les grossièretés possibles et inimaginables en 10 minutes. Voilà, il explose, il est complètement dans les motifs et dans une colère où il s'exprime énormément. Et le lendemain, tu le revois. Et là, il a du mal à te dire bonjour et là, il tient la main dans un côté où on a l'impression qu'il a perdu son chien, tellement où il fait la gueule. C'est des moments assez particuliers à vivre, c'est assez perturbant. Et c'est vrai que de connaître le tarif horaire de travail, je reste encore un bon moment au Maroc pour vraiment le connaître. Parce qu'en fait, j'avoue que là, je suis paumée. Parce que tu peux te retrouver avec quelqu'un qui va te demander 210 dirhams, tout comme un autre qui est capable de t'en demander 1000. Arrive à te mettre le doute. Et quand tu regardes, généralement tu passes dans des vitrines, tu regardes un petit peu les vêtements, et là du coup t'as de suite le monsieur qui arrive en courant. Il te dit « Bonjour madame, rentrez, rentrez !» Bah oui, il faut absolument que tu rentres, hein, que tu fasses ton tour. Et là il te sort tous ses modèles, et encore, et encore, et encore, pour à tout prix que tu en prennes un, même si t'es là en train d'en regarder les modèles et que tu ne dis rien parce que tu regardes. Et comme tu as un visage très neutre et que c'est... Il sent que t'es pas vraiment emballé en fait sur le truc. Et lui il continue en face de toi, il te fait « Ça fille, ça fille, ça fait !» Et toi, t'es là, ça fille, ça fait, ça fait pas. Non, non, j'en veux pas. La première fois que j'ai mangé au restaurant, je me suis retrouvée avec un truc très long sur le haut de mon plat, prôné comme ça, posé très délicatement, très joli. Bon, il était cuit, donc il faisait un peu défraîchi, mou, hein. Et donc ce truc long, c'était long comme ça, vert. Et en fait, c'est un piment. Je vous déconseille fortement d'oser. D'oser le manger. Si un jour vous découvrez au-dessus de votre assiette un truc prenant qui est très beau, certes, hein, bien disposé au-dessus, en premier, non. Posez-le, poussez-le, mettez-le au bord de votre assiette. Surtout, ne prenez pas l'aventure ni l'idée de le manger. Parce qu'en plus, c'est formidable, ils sont bien cuits, donc ils se coupent d'une facilité extraordinaire. Et là, tu t'en prends un bon morceau dans la bouche. Et là, tu te retrouves avec un moment unique. Unique, où t'as le feu dans la bouche. Tu ne sais plus quoi faire. En même temps, vu le piment que tu viens de bouffer, c'est sûr que tu peux cracher, hein, y a pas de problème. T'arrives à sortir des flammes. C'est un truc tellement phénoménal. Hein. Et ça t'a pourri ton plat, parce que tu n'arrives plus... Après détecter aucun goût par la suite, tu
tu mets très longtemps à te repasser du truc. Ça t'empoisonne la bouche, c'est infect. Aussi bizarre que ça puisse être, ils en mettent partout. Chez tous les marchands de légumes, tu en trouves de ces piments longs verts. Ils en vendent tous. Mais tous. 15 jours, 3 semaines plus tard, j'ai un Marocain qui me dit « Ah non, ça, attention, ça pique. » Oui, ça y est, c'est bon, j'ai fait l'expérience, merci. Je l'ai reconnu, je le repère maintenant et ça fait deux bois. Et non, je le fuis.